C'est un truc de fou, depuis que j'écris tous les jours sur LinkedIn, j'ai l'impression d'être encore plus nul en orthographe qu'avant, quoi. Surtout avec les accords du participe passé, les verbes du troisième groupe, mais toujours une grosse galère. Alors j'ai deux correcteurs d'orthographe en extension Chrome. C'est quand même galère parce que le truc, des fois, il connaît pas le contexte et il te corrige des fautes. Et en fait, il aurait pas dû les corriger, il t'en fait plus. Je suis pas le meilleur là-dedans, mais je me défends et j'apprends chaque jour. Et ce que je fais pour mes vidéos tuto, j'ai embauché quelqu'un. À chaque fois que j'ai fini des vidéos tuto, cette personne, elle va aller sur les vidéos. Elle va vérifier tout l'orthographe de tous les sous-titres, de tous les titres que j'ai pu mettre là-dedans pour être sûr qu'il n'y ait aucune faute. C'est une grosse aide pour moi parce que ça me permet d'avoir une bonne satisfaction client. Parce que quand tu commences à livrer des vidéos, t'as beau avoir solutionné le problème du gars qui connaît bien le machinisme agricole et qui a fait des belles vidéos. Si c'est bourré de fautes, bah, tu passes quand même pour un gros con, quoi. Et sur LinkedIn, par contre, je suis seul parce que bah, j'ai pas des millions d'euros à mettre là-dedans. Donc si vous voyez des fautes d'orthographe, désolé les mecs, mais je les assume et je fais de mon mieux pour pas en faire.